comme vous l'avez vu, on va attaquer quelques mouvements encore pour apprendre à danser tout simplement en soirée ou en boîte de nuit. Là, on attaque des mouvements un peu plus complexes, ok? Mais vous allez voir, en les enchaînant, c'est toujours plus sympa. Voilà, je vous donne encore 5 nouveaux moves. J'espère que vous allez les kiffer. Et on est parti dans la salle de danse. Boum! Ok, super les amis, on se retrouve dans la salle de danse. Allez, c'est parti, on attaque tout de suite le premier move. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais le faire une fois de face, d'accord? Et ensuite, je le ferai une fois de dos pour que vous puissiez le faire avec moi, ok? Donc là, ce qu'on va faire, c'est comme je vous l'avais dit, quand on commence à vouloir justement bien varier, commencer à mieux danser, d'accord? On essaie tout simplement de varier les 8 temps. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des 4 temps et à chaque fois, on changera, d'accord? Et parfois même, on changera dans les 4 temps pour faire des 2 temps. Bon, c'est compliqué, je vais vous les montrer tout de suite. Allez, c'est parti. Premier mouvement. Alors, premier mouvement qu'on va faire en 4 temps. Ce qu'on va faire, c'est ça. Regardez bien, tout simplement, ce que je vais faire, c'est que je vais légèrement sauter vers ma droite. Donc, ce que je fais, c'est que je saute, d'accord? Je prends appui sur ma jambe gauche, bam. Et quand j'arrive sur l'autre pied, bam, mon pied gauche va venir derrière. Pendant qu'il arrive derrière, j'écarte mes bras, d'accord? Et ensuite, dès qu'il est bien derrière, je vais donner un coup. Vous voyez? Pam, comme ça. Avec les pieds, je vais les croiser. Donc, la jambe gauche va faire un léger coup de talon vers l'intérieur. Et pareil pour la jambe droite, de l'autre côté par contre. Donc, c'est parti. Je pars et boum. Vous voyez? Je suis croisé. Ok? Je pars d'un côté. Pam, ça passe derrière. Et boum, ça croise. D'accord? Donc, c'est parti. Je pars d'un côté en sautillant. Bam, boum, je prends bien appui, hein, d'accord? Je saute, et là, boum, et ensuite je fais la même chose de l'autre côté. Allez, c'est parti. Bam, boum, bam, boum, ok? Ça, c'est notre premier 4 temps, vous voyez? Donc, ça va nous faire 1, 2, 3, 4, d'accord? Super, je le refais doucement. 1, 2, 3, 4, ok, super. Voilà pour notre premier 4 temps. Je le fais de dos. Vous me suivez? Allez, c'est parti. Donc, je commence avec ma jambe droite. Attention, je pars. 7, 8. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Voilà pour le premier move. Bon, j'espère que vous avez réussi à le faire. Après, bien évidemment, il faut le faire un peu plus rapide. D'accord? Après, on essaie de prendre le rythme comme d'habitude. Prendre le rythme de la musique et on part. Tout de suite, deuxième move pour compléter notre 8 temps. Alors, on a fait ça. Boum. Ok. Boum. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement mettre la jambe droite devant. D'accord. On était là. Bam. Et bien là, je vais mettre ma jambe droite devant. Bam. Ça va nous faire notre premier temps. Et ensuite, je vais me mettre sur les pointes. Et voyez, lever légèrement les talons pour, boum, donner un coup de fesse. Et pivoter mon corps. D'accord. Pam, vers l'extérieur les talons. Boum. Ok, super. Donc, je mets mon pied devant et pam. 1, 2. Ok. Et ensuite, je viens mettre mon pied derrière, pied droit derrière. Pam. D'accord. Pied derrière. Et là, ce que je vais faire, je pivote de l'autre côté. Pam. Ok. Et là, ça me fait 3, 4. Ok, c'est reparti. Donc, je me retrouvais là. Pam, je suis lissé, mon 8 ans. Donc, je mets mon pied devant. Boum, 2. Ensuite, je mets mon pied derrière. Et 3, je le fais de l'autre côté. Ok? Boum, bam. Et là, ce qu'on peut faire avec les bras, c'est tout simplement, bam, je te pointe et boum. Ensuite, je plie les bras, tout simplement. Bam. Comme si je mettais un couteau. Je recule derrière, je pointe. Boum. Ok? C'est pour avoir un peu plus de style. Voilà pour notre deuxième 4 temps. Donc, je me retrouve ici. Bam. J'ai fini ça. Je pointe. Boum. Je vais derrière. Boum. Ok, super. Allez, on le fait une fois de dos. C'est parti. Donc, j'avais fini mon 8 temps comme ça. Je mets mon pied droit devant. Bam. Je mets mon pied droit derrière. Bam. De l'autre côté, je pivote. Ok, super. On enchaîne le premier 8. Allez, 5, 6, 7, 8 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, super. Voilà pour notre premier 8. Je le fais une fois de dos. Allez, c'est reparti. 5, 6, 7, 8 et 1, 2, 3, 4, 5, 6,
Super. Voilà pour notre premier 8 ans. Donc là, on a vu deux moves par contre, hein. D'accord? Un 8, deux moves. Vous voyez? Du coup, on varie et on a plus l'impression d'être un danseur là. Allez, on continue. Un danseur ou une danseuse, attention. Pour vous aussi, mesdames, vous pouvez le faire. Allez, c'est parti. Donc, on a fini ça. Ok, donc là, on attaque le troisième move. Très simple, en 4 temps encore. On avait notre pied gauche devant et donc on balance légèrement. Et pendant qu'on balance, vous voyez, bam, et là on va mettre les coups d'épaule. Alors attention, les épaules, ce qu'on va faire, c'est surtout les descendre. Attention, ne confondez pas en les mettant comme ça, par exemple. Vous voyez, si vous jetez les épaules devant, faut pas confondre. Là, on va les descendre, comme ça. Donc, je vais les descendre d'un côté et forcément, ça monte d'un autre. Et là, du coup, vous voyez, on fait comme ça. Donc, pom, pom, pom. Ça descend d'un côté, ça monte de l'autre. OK? Et on recommence une fois. 1, 2, 3, 4. Mais là, les bras, on va plus les descendre pour faire des petits mouvements comme ça. Et 1, 2, 3, 4. Ça va? Ok, on recommence. Je me retrouve là. Donc, pam, pam, et pom, 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 pom. Ok? 1, mon épaule droite descend, mon épaule gauche monte. Pam, 2, je passe de l'autre côté tout simplement. Je fais la même chose de l'autre côté, 3. 4. 1, 2, 3, 4. Ok, super. Voilà pour notre troisième move. D'accord? On passe tout de suite au quatrième et ensuite on fera le dos. Alors, poum, on était là. Et là, ça nous fait 1, 2, 3, 4. Et là, on revient tout simplement en face. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va légèrement sortir la poitrine. D'accord? Et on va faire 1. Je vous parle juste des bras. Donc là, les bras, je vais ouvrir. Vous voyez mes bras? J'ouvre. Je lève un peu la poitrine et là ensuite, quand je la rentre, je referme les mains. Je les mets de l'autre côté. 1 et les coudes sortent. D'accord? 1, 2. Voilà pour le haut du corps. 1, 2. Et en fait, pour les pieds, on va tout simplement légèrement rebondir sur place. Donc là, c'est comme si je le levais. Et quand je boum, vous voyez? Eh bien, je plie mes genoux. Bam, bam, bam. OK? 1, 2. OK, super. Voilà pour notre. Attention, parce que là, on va passer en deux temps. Parce que là, ça va nous faire 1, 2, et ensuite, on va passer 3 et 4 sur un autre move encore. Oh là, ce 8-là, il n'est pas facile. On récapitule. On était là, jambe gauche légèrement devant, jambe droite. Vous inquiétez pas, vous n'êtes pas obligé de mettre que la jambe gauche. Hein. C'est juste le move. Donc là, si vous voulez commencer jambe droite, vous pouvez aussi. Et ensuite, les mouvements de bras. D'accord? C'est juste d'un côté à l'autre. D'accord? Alors, c'est parti. Moi, je le fais jambe gauche, je vais commencer jambe gauche. Ce que je fais, boum, 7, 8, et là, je commence. Et 1, 2, 3, 4, ok? Et là, on rassemble. J'ouvre, 5, 6. Ok, super. Juste deux fois, 5, 6. Et ensuite, ce qu'on va faire, 5, 6. Et là, ce que je vais faire, un léger saut en croisant. Boum, voyez? Regardez, je suis droit. Et là, je croise. Et ma jambe droite va passer devant. La petite astuce, c'est que quand je passe devant, quand je fais mon saut, ma jambe droite passe sur le talon et ma jambe gauche passe sur la pointe. D'accord? Et là, je fais légèrement décalé diagonale vers ma gauche. Boum. Et là, je peux ouvrir le corps. D'accord? On refait. 7, 8, 1, 2. On ressort. 7, 8, 1, 2. Ok, super. Je le fais ensuite de l'autre côté. 1, 2, 3, 4. Ce n'était pas facile. Allez, on récapitule le 8 en entier. Alors, 8 et 1, ok? Et 1, 2, 3, 4. Ensuite, boum, on se revient en droit. 4, bam, boum, boum. Et là, on a fait notre 8. Ok, super. Je le fais une fois de dos, ok? 5, 6, 7 et 8. Et 1, 2, 3, 4. Et on revient, ok? Et on ouvre. 5, 6, 7 et 8. Ça va, vous suivez? Allez, on le refait une fois. 7, 8 et 1, 2, 3, 4 et 5, 6, 7 et 8. Ok. On a déjà vu 4 mouvements. Et on va voir juste le dernier. Très très simple. Ce qu'on va faire, c'est que boum, on a fini notre mouvement. D'accord? Là, on termine. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on se remet droit. On va mettre une main sur la poitrine. Une main droite devant, comme ça, vers le côté. Et boum. Et juste comme si on saluait. 1, 2, 3, 4. Ok? On finit comme ça. Fini notre 4 temps. 1, 2, 3, 4. Les jambes ne bougent pas. Bam. Enfin, légèrement, si vous voulez. D'accord? Et là, c'est juste le haut du corps qui donne un coup.
Voilà pour nos 5 moves. Je les récapitule doucement, une fois comme ça, une fois de dos. Et ensuite, on se les fait une fois en musique ensemble, enfin une ou deux fois, d'accord? Et voilà, le tour sera joué. Donc c'est reparti. Premier mouvement. 5, 6, 7, 8. Je pars de côté. Bam, j'applaudis. De l'autre côté. Boum. Pied devant. Bam. Devant. Et là derrière. Bam. Ok. Je me retrouve là. 1, 2, 3, 4. Je reviens. 5, 6, 7, 8. Et. Ok, super, on a commencé à avoir des styles là. On le refait une paire, on attaque de dos. Faites-le avec moi. Allez, c'est parti. On y va. Je commence à droite. Attention, c'est reparti. 1, 2, 3. Tac, derrière. Clac, épaule. Et poum, poum, tac, tac. Ok. Tac, ok. Ça va? Allez, on se refait une dernière fois ensemble. Et ensuite, on passe en musique. Allez, 7, 8. Bam, boum, clac, boum, devant, tch, clac, derrière, clac, épaule, boum, boum, ok, et on ouvre, et bam, boum, boum, bam, bam, bam. Ok, super. J'espère que ça vous a plu. On passe en musique et je vous rebalance tout simplement la musique ici. Ok, super. On se retrouve avec mes clones. Dansez bien. Surtout, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, la petite cloche. N'hésitez pas à nous lâcher un gros pouce. Allez, à plus tard et dansez bien. On se retrouve avec la musique. Salut!